gens, ils se sentent voisins, ils se sentent humainement copains et tout. Donc il n'y a pas de mélange. Au fait, c'est une famille. C'est notre deuxième famille parce qu'on a notre famille à nous. Et on a la famille du quartier. On dit qu'on se ménage, mais moi, je vois plutôt que... On est toujours dans les côtés communautés. Bah oui, juste là, en étant dans ce lycée, il y a différentes cultures et on discute tous ensemble, on rit tous ensemble et on partage les mêmes choses. J'ai beaucoup de copains de couleur noire, d'asiatiques, on se mélange bien ensemble. Des fois on se rejoint, on fait des petits plats. J'ai grandi ici, je suis française d'origine italienne. J'ai des amis français d'origine africaine, asiatique, américaine, et c'est ce qui fait notre force ici. Il suffit d'aller en école primaire ou au collège, on se rend compte qu'il y a une diversité culturelle inimaginable. On fait une limite le tour du monde. Les enfants découvrent une mixité à l'école. Je pense que ça, c'est quelque chose de bien en termes d'ouverture de culture, de mélange de culture. Entre femmes, on se connaît, marocaines, comoriennes, indiens, tout, on se parle ensemble. Moi, je trouve que c'est un territoire qui manque de mixité sociale, même si la mixité culturelle, elle est foisonnante et elle apporte beaucoup de choses. Il faut encore améliorer, surtout qu'on fait tout en ce moment justement pour diviser, donc c'est un effort permanent. Les réunions de quartier, les réunions de voisinage, quand on se mêle pour connaître un peu tous nos voisins. Oui. Partager plus de choses ensemble, plus de fêtes, par exemple fêtes de la ville, et tout, des trucs comme ça. Après, je pense que les associations, il y en a déjà, mais pourquoi pas d'autres associations, il n'y en a jamais assez. C'est ça qui je pense, va favoriser le vivre ensemble. Déjà, au fond de chaque personne, il faut qu'il y ait un effort de soi-même. N'attends pas que les autres, il faut que, quand on veut que ça change, moi je dis, c'est nous qui changeons plutôt.